Le temps qu'on s'en aille avant qu'on prenne racine ici à Fort Lauderdale. Petit bel endroit, on dort bien, mais il faut continuer, il faut avancer. Hey, good morning. Are you coming back? No, we don't. We're going heading up to West Palm Beach. Have a safe trip. Il a fallu mesurer notre nouveau tirant d'air. Donc, parce qu'avant, on avait 41 pieds de mât, plus bon, la girouette, l'antenne et tout et tout. Puis là, maintenant, il a mesuré avec l'éolienne derrière, on aurait à peu près 14-15 pieds. Là, le prochain pont, c'est 24 pieds. Ça va faire bizarre de faire l'intracostal en Floride sans être obligé de faire lever la vingtaine de ponts à faire ouvrir. Fait que là, on va traverser notre premier pont, là, qu'il y a 25 pieds. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. On a traversé le gros en rentrant dans l'inlet, mais il y a comme 60 pieds. Fait que on n'était pas ben à peu. Premier pont de 24 pieds, maintenant on a 14 pieds de tirant d'air, pas de stress. Ça va pas se serrer. J'ai mesuré 14 pieds. On va voir si mes mesures sont bonnes. Vérifie ses mesures à matin parce que là, le prochain pont qu'on passe, on est obligé de le faire ouvrir. Il y a 9 pieds. Par contre, l'autre d'après, il y a 15 pieds. Fait que. C'est ça. Pas sûr. Commercial Boulevard Bridge. Commercial Boulevard Bridge. This is sailing vessel Luska, northbound, asking for your 8 o'clock opening. Over. 10 Sky, Captain, next over to the end. 5.
sailing vessel Luska. 10-4. Se sauver de faire ouvrir des ponts à Barouette. Là, David, il regarde Navionics, puis il se rend compte qu'il y en a plein qui sont genre 13 pieds, 15 pieds, 9 pieds. Fait que dans le fond, les trois prochains, il va probablement falloir les faire ouvrir. Et tout, on pensait avoir trouvé un avantage à ne pas avoir de mât, de faire l'intracostal. Ben non, tabarouette, faut tout ouvrir les ponts, faut tout faire ouvrir les ponts presque. Ça n'a aucun sens. On est à marée haute, mais quand même, je pense que tu devrais enlever ton éolienne. Deux fois qu'il mesure, là. On s'essaye. Là. On aimerait ça pour être obligé de dépalver. Je pense que ça marche comme ça. Non, il y a recalcul, là. 13 pieds. C'est 13 pieds. Si les autres pots sont 13 pieds, on est correct à 13 pieds, on passe-tu, tu sais, on n'a pas de chance de frotter tout le long de plus équipe. Le pont, le gars, le préparateur du pont va te bloquer parce qu'on t'a ouvert pour 2 pouces, 1 pouce. On n'a pas de chance qu'un bateau ça fait ça justement. On pourrait accrocher. Ça serait pas cool. Là. Quand Navionics t'indique 15 pieds, t'arrives ici, c'est marqué 9 pieds minimum sur la pancarte, 9 pieds et demi. Fait que c'est sûr que le pont fait un rond, fait que le minimum c'est les côtés. Prends pas de chance. On va pas passer pareil. Même si c'est marqué 15 pieds, puis on a 13 pieds, quelques poussières. Prends pas de chance. Ça dit 22, on est correct en masse. Yes. Checker quand on swing, ça va être comme l'eau qu'on a ici, ça va être qu'il y a pas beaucoup d'eau. David met son number. Après ça, c'est mon tour de... Je dois reculer. Je recule sur notre rampe pour qu'elle rentre bien comme il faut dans la boue. Sable. Peu importe. 2000!
6. Que nous on fonctionne, je sais pas si c'est comme ça partout, si vous faites ça tous, mais nous à Bar-Lusca, ce qu'on fait c'est que David me dit de reculer dans le fond, puis là on commence toujours à mettons à 1500 taux, 2005, 2008, là, on avance tranquillement jusqu'à à peu près 3002 qu'on maintient toujours quelques secondes pour que l'encre assette comme il faut. Puis il me fait aussi en même temps vérifier, lui en avant, il vérifie, il se met un point de repère, il vérifie son recul ou pas. Puis moi, ben je vérifie avec la vitesse du GPS, voir si on avance. Tu sais, si par exemple on fait du 1 nœud, c'est pas normal, ça veut dire qu'on recule. Jusqu'à temps qu'on fasse 0 nœud pendant tout le temps, dans le fond, qu'on sette l'encre. Puis après ça, ben David, il termine, j'éteins le moteur, il me donne le OK pour éteindre le moteur. Puis on finit de setter l'encre, puis c'est fait. Fait que c'est notre façon à nous de faire. On fait ça depuis, dans le fond, depuis toujours. C'est notre façon de fonctionner. Puis c'est toujours David qui est en avant. Moi, je suis toujours à la barre, que ce soit pour ancrer ou pour désancrer. Moi, je suis à la barre, puis David est toujours en avant. Voilà! Aussitôt arrivé, aussitôt ancré, déjà à l'ouvrage. Non, on est arrivé plus de bonne heure qu'on pensait, fait qu'on avait une couple d'heures à tuer. Donc, c'est ça. Fait qu'on a continué un petit projet qu'on a commencé à Fort Lauderdale. Donc, c'est ici. Je vous montre ça ici. Aujourd'hui, on les a savonnés avec un savon spécial avant d'installer le teak oil, l'huile de teak qu'on a acheté. J'ai choisi la couleur honey. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a les deux en avant, là, on a deux morceaux ici qu'on va faire. Puis les bancs complets ici. Puis probablement aussi notre descente en bas, là, où est-ce qu'on... Comment on appelle ça, la plateforme de baignade, dans le fond, là, on a un petit spot là aussi qu'on va faire. On avait fait beaucoup de réparations mécaniques, électricité sur le bateau, mais pas fait beaucoup d'esthétique, il n'avait pas vraiment besoin, beaucoup, mais depuis le temps, surtout de l'entreposage qu'il y a eu à cause du COVID, ça l'a magané beaucoup toutes nos tiques sur le bateau. Puis ça, l'ancien propriétaire, ils avaient tout verni, fait que l'eau rentrait sous le vernis, fait que ça a fait des taches noires, fait que c'était vraiment pas beau. Puis là, on était tanné, puis là, ben, on a le temps. Fait qu'on décide de faire ça comme un petit projet. C'est du même. Mais il en reste d'autres, hein? Pense. Il en reste d'autres après? Je pense qu'il y en a. Ça peut être un autre repos, mais je suis pas certaine, je pense pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour retourner à la pêche? Ouais, mais celle-là, on l'a pas mis à Long Island. Ça me tente un peu moins, en tout cas, pour ça. Hein? C'est loin, mais... C'est dans l'huile, il n'y a rien de mieux dans un bateau, là, c'est... Wow! Ouais, mais c'est bon. Ouais, je sais. J'avais tout passé la veilleuse pendant la navigation et ça paraît plus. Ça, c'est avoir un chat à bord. C'est qui le coupable qui a mis de la litière partout? C'est qui? Quand je mets dans mon couvert, je mets du jus de citron. Après ça, je mets dans la selle de céleri. Okay. Puis après ça, je prends le jus de citron, puis je le vide dans nos verres. Je lave mon petit couvert pour le remettre. Fait que ça, c'est mon plat d'épices, dans le fond, pour tailler rapide, parce que je fais des ciseaux à tous les jours, au moins un par jour. Après ça, dans le fond, nous autres, là, on met plein de trucs dedans. Ça, c'est les épices de mon ami Mado. C'est les épices à Bloody Caesar.
la sauce Worcestershire. Tabasco. David, j'en aime beaucoup, il aime ça. Ouais. Puis, je rajoute des trucs, genre, comme là, on a trouvé des jalapenos super forts au Dollar Store. David, il les aime vraiment beaucoup, mais ils sont très, très forts. Moi, j'en mange pas. J'en mets deux. T'en mets-tu deux? Non, un sur le test. Un, bon, il en met un. Moi, je me mets des olives, parce que moi, j'aime les olives. David va rien savoir. J'en mets deux. Après ça, je nous mets chacun un pétrole. Parce que dans le fond, j'ai pas de céleri. Fait que je mets autre chose. Quand j'ai du céleri, je mets du céleri. Fait que là, je nous mets un pétrole. Là, David, je vais t'en mettre deux vite fait. Ah, mais il y en a deux. À soi, bébé, je te garde. Ah, puis garde. Je te donne un pétrole. Garde donc. Moi, je finis le plat, puis je vais m'en mettre deux, moi, avec. Bon. Elle veut le pickle pis le jus avec. Ensuite de ça, vodka ah oui. En passant, là, que, ouais, je l'ai pris au Walmart ici aux US. On paye 9,98 la bouteille de 71. On a acheté 3 bouteilles. Juste pour être sûr de pas manquer. Non, mais on commence nos provisions pour la saison prochaine des Bahamas. C'est juste pour ça. Après ça, ben, Clamato. Là, celui-là, il est ordinaire, mais j'ai trouvé du spicy. Au Winn-Dixie quand on est allé à Fort Lauderdale, fait que j'ai acheté du spicy. Mais on va y aller avec celui-là aussi. C'est tout. Fait que c'est notre petit apéro. Ben, je dis apéro, mais souvent le souper est prêt pas mal en même temps. Fait que